Stéphane Hermitage, l'ancien troisième ligne de la section paloise, rattrapé par la justice française. Il a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende pour préjudice moral. Dans cet établissement palois, dans la nuit du 6 au 7 décembre 2018, le joueur lourdement alcoolisé agresse une jeune femme en lui touchant la poitrine. Ce matin, le joueur a accepté la condamnation lors d'une audience de plaidé coupable, mais il s'est refusé à tout commentaire à la sortie du tribunal de Pau. J'ai vraiment plaidé devant le juge la question des dommages et intérêts qui devait aussi correspondre à la personnalité de l'individu et puis à ses revenus qui sont très importants. Il fallait que la justice passe aussi au niveau des montants alloués à la victime. Et puis, comme j'ai plaidé devant le magistrat, la décision qu'elle allait rendre était une décision à valeur d'exemple pour toute cette jeunesse, sportive ou non sportive, qui malheureusement ne sait plus sortir le vendredi ou le samedi soir sans s'alcooliser. A noter également que Stéphane Hermitage a évité l'inscription de cette peine au casier judiciaire, ce qui aurait pu le bloquer dans la suite de sa carrière. Il pourra retrouver les terrains aux États-Unis à San Diego à partir du mois de février prochain.